Et en quelques mots, si on devait parler de sa particularité, comment elle se définit? En fait, elle dessine dans les traits, mais déborde souvent du cadre. C'est joli, hein? Merci de faire une ovation à l'Edipsy. J'ai aucun appétit.
Non, moi, il me faut les étoiles au fond des yeux, le chemin de pétales de rose, le battement d'ailes du papillomavirus au creux du vent. Oh non, mais un besoin, mais limite pathétique d'aimer et d'être aimé. Je le tiens de mon père. Alors, oui, parce que, il paraît que quand votre géniteur s'en va justement parce que vous arrivez, c'est un moyen porteur de confiance. Ouais. Pardon? C'est un moyen porteur pour la confiance? C'est pareil, hein, je vois pas la différence, docteur. Écoutez, moi, je vous propose qu'on arrête là, parce que je vous ai déjà dit beaucoup de choses, quand même, hein, et puis vous avez l'air de fatigué, donc... Alors, docteur... 70 euros? Mais c'est efficace! Écoute,
Je sais pas, moi, c'est peut-être parce que lui ne se trouve pas photogénique. Oh. Arrête, tu m'angoisses. Ah non, mais imagine, premier rendez-vous, elle ne plaît pas. Alors, si ça peut te rassurer, il nous a donné un indice. Ouais, ouais, il nous aurait fait à son image, il paraît. C'est vrai? Oh, ben alors c'est facile, il suffit de se regarder. Mais je vais me regarder moi ou je vais te regarder toi? Alors toi, je te dis qu'il nous a fait à son image, c'est la seule question qui te vient. Ok. Donc, Dieu, un homme, une femme, un homme, Dieu. Moi, ça me questionne quand même. Non! Oh my God! Mais je peux pas tomber amoureuse d'un trans! Je n'ai pas vu de match de foot, de combat de boxe.
boxe ou de course automobile, mais depuis des lustres, ma chérie. Bah, regarde comme ça me va bien notre temps, hein. Pourquoi je change ma voix comme ça? Bah, je m'entraîne, allez, je m'entraîne. Je suis comédienne. C'est du travail, tu crois quoi? Ah bah, j'ai largement passé l'âge de pouvoir coucher pour réussir. Hein. Non, mais... Non, mais mouche-toi. Non, tu dégoulines, c'est pas bien. Non, mais écoute, la mère célibataire, enfin la femme moderne est une mère célibataire qui est certes, totalement libre de charrier seule ses stères de bois si elle veut se chauffer l'hiver. D'accord. Mais le soir venu, elle se fait belle et sexy pour assister avec ses amis à des soirées montes. Ah bah, aujourd'hui, on peut être une parfaite petite mère de famille tout en discourant aimablement avec ses amis autour d'une tasse de thé des avantages et des inconvénients du plug anal. On vit une époque formidable, ma chérie, mais si. Tu as honte d'assister à ce genre de soirée? Ouh, mais t'es bien prude aussi, ma pauvre fille. Bah, tu m'étonnes qu'il soit parti, l'autre. Oh. Mais heureusement, le progrès est passé par là. Hein. Si, si. Allô, Internet existe. Il y a la commande en ligne, chérie. Ah, tu vas voir, c'est fou de ce qui existe, hein, vraiment. Un choix phénoménal, tiens, regarde. Ah bah, forme, couleur, texture, gadgetisé, bah si, vibrant, massant. Des nouveautés, alors attends. Goût fraise. Oh bah, goût fraise. Non, non, tu as raison, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas le sens du goût, ça n'a pas le sens de tout. Ça, c'est... Alors attends, le deuxième. Lumineux. Mais pourquoi faire dans Dieu? Non, il doit y avoir une utilité. Alors, s'ils l'ont inventé, c'est que il y a une demande, alors lumineux. Une veilleuse pour le bébé. Coucou chérie. C'est pas papa. Oh, il te plaît celui-là? Si, j'ai vu ton petit œil qui frétille. Il te plaît? Allez, ça me fait plaisir, je te l'offre. Ah bah, t'es entre amis quand même, ma chérie, t'es en 6 mois. 6 mois, vraiment, je t'admire. Ça, je ne comprends pas comment tu fais pour tenir. Non, moi, 6 mois, je ne pourrais pas. Je viole un lampadaire, c'est sûr. Mais non, c'est pas trop cher. 70 euros, c'est quoi? Oh bah, le prix d'une séance chez ton psy, dis donc. Ah non, mais ça, je te garantis, ma fille. Là, c'est efficace. Alors, 3,5, 4 ou 4,5 centimètres? Ah, le diamètre, ma chérie, tu croyais quoi? La longueur? C'est pas des sextoys pour Playmobil, hein? Non, non, ce sont des vrais à taille humaine. Hein? Non, mais il n'y a que les hommes pour s'intéresser à la longueur, ma chérie. Bah oui. Et c'est moi qui est la plus longue, c'est moi qui pisse le plus loin. Ouais, mais moi, j'ai trop bien écrit mon nom dans la neige sans faire de faute d'orthographe. Ouais, les imbéciles. Nous, on sait bien que ça sert à rien d'aller taper à la porte au fond du couloir. Hein. Le col de l'utérus n'a jamais été référencé comme une zone érogène. Non, vraiment. Tiens, prends vos cossifs, Freddy. 23 cm, hein, s'il te plaît, 23 cm. Ben, c'est pas compliqué, j'ai mesuré. Alors, du point d'entrée, hein, à son extrémité, c'est ça. Ça m'amène là. Autant te dire que tu as intérêt à avoir l'estomac vide. Non, un jour, j'aimerais pouvoir leur dire à ces messieurs que ça ne sert à rien de complexer sur la taille. Vraiment, vraiment. De la même façon, ça ne sert à rien d'être suréquipé. Du tout. Parce que globalement, nous sommes comme vous. Nous avons une grande gueule. Mais nous sommes une majorité à avoir une petite bouche. Sans rancune, monsieur. Ah ouais. Le Dixie. S'il vous plaît.